va per soffrir. Jo i milieu, jo mal feteu, mais ça va doué faire j'en lagué. Faut qu'on rive bien haut, bien loin dans ville. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Pas j'en gagne l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Mais pas quitter mon, mais fierté ou en papier. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Laisse ça si vous gardez, ouais, ouais, bien. Que je mets en poil l'ouvrir. Ouais, va comprendre, faut bataille pour vivre pour. Si c'est moi si vous parlez quoi, gardez dans le cœur, ouais, ouais. Si vous voulez lumière, c'est bataille pour sortir. Vous le connaissez? Voilà, je vois. Vous permettez? Claudette? Oui, madame. Claudette, côté honnête. Et là, vous allez aller vous? Non, non, ça va. Seulement assurons qu'il fait les barrières. Ok. Bon, tu dois partir. Déjà? Croyez-moi, je sais ce que je dis. On revient vous chercher, mais je vais vous déposer. Claudette, pour rien, si je t'ai envoyé barrière, pourquoi je n'ai pas besoin de venir? C'est bon. Pour qu'on soit fait, Moïra. Ou à prendre valise ou à retourner côté au sortir. Et vite, s'il te plaît. Mais t'as-tu pas d'aller aucun côté, non? Pas mal de tout le monde, ça y est. Ou à retourner côté au sortir, point final. Et Claudette, vous pas attendre à frapper? Si je suis là, il a pas besoin de battre dans la caille. Quel est pour caler où est-ce qu'il paye nous ici là? Mais mon petit bonsoir, t'as dit mademoiselle. Mais vous avez dit, parlons pas. Salut tout le monde. Leïla, vous êtes sorti. Ah, vous criez, Moïra, vous êtes mort? Leïla, d'où viens-tu? Et puis, sac sous là. Mamie, si vous voulez parler en pile, dis ça. Mais pas dis ça à cause de tenir maintenant. À cause de tenir en tout? Parce que je ne peux pas comprendre, vous allez mettre ça sur vous pour prendre la rue en plus pour habiller. Mamie, vous ne pouvez pas trouver qu'on ne parle trop.
Où ça mon petit grand monde, oui? Ouais, ça m'a de faire. Gèle, c'est ça qu'on fait. Faut brûler les bêtes pour me faire pas la velle. Parce que c'est pas possible. Faut me montrer comment faire accepter dans la ville. Jean-Yer. À moins que l'on a fait les là où sont l'autre monde. Mami, je vais t'appeler. J'arrive, chérie, j'arrive. Comment ça s'est passé? Tout ça pour me faire pour Gilbert avec vous-même, moi fais déjà. M'aller jusqu'à sacrifier relation moi avec Marco pour nous. Et m'étais assez naïve pour me penser que bagaille ka marché. Ouais qu'on y a, moi fatigué. Vous entendez? Moi fatigué. Et si gen yon petit pour me tête moi problème pour lui, il relégera. Et m'a tout dit ça. La prochaine fois qu'on quitte le sa au pont de yon, on va tout arrêter. Bon bagaille. Bon bagaille. J'arrive, chérie, j'arrive. Demain, ma fille va la voler. Quand tu as trois mois, voyons voir. Tu dors au salon. Mais tati, laisse-moi dormir avec Leïla. J'ai pris une décision, oui ou non? Tati, je promets tout que ça ne va pas jamais arriver encore. Vous n'avez pas de gâteau, Mila. Si tu veux que moi, tout trop tard. Mila, c'est pas faute. Moi, fais toutes tes formes pour me rentrer avant 8 heures. Mami, il a fait ménopausie. Franchement, parce que tu as une personnalité à ça. Oh! L'homme, il faut faire. C'est dit que tu as dit que tu prends femme pour m'aller. Moi-même, pour le dédié, tu as saisi ouais, ça. Parce que quand tu es petite, tu es vraiment bon. Retourne à ta femme bien pile. Mila, c'est pas pareil pour rien, non? Franchement, ça commence à avoir un problème. Sérieusement, pas habitué comme ça. Je ne sais pas si tu es occupé, maman. Je ne sais pas si tu es occupé, maman. Et la situation n'est pas la même, ok? Ou c'est petite maman ou même? Disons, tati. Petite, c'est ça important pour moi. Je ne sais pas si tu es sérieux. Je ne sais pas si tu es occupé. Il s'agit de Samuel, du casque, je suppose. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Pas j'en gagne l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Mesdames et messieurs, aucun n'est pas au courant. Nous qui regardons à l'intérieur quel que soit côté nous sur la terre. Nous ne sommes pas obligés de Comcast. Nous ne sommes pas obligés d'entrer dans le Broward pour regarder à l'intérieur. Nous qui regardons 24 sur 24 sur le computer nous, sur alntv.tv. Et puis facile toujours, dans Play Store qui est sur le téléphone nous. Juste download l'application alntv. Il est gratis. Et comme ça, nous avons toujours été connectés avec le plus gros réseau de télévision haïtienne, alntv. Relez-nous dans 1-888-816-7174. Ça c'est destiné. Pas j'en gagne l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Pourquoi brusquement tu es devenu comme ça? Froid, indifférent. J'aimerais tellement que tu reviennes comme avant. Bertrand, arrête ton petit jeu. Tu sais très bien que tout ce que tu fais là, c'est de pure l'hypocrisie. Chérie. Oui, tu es un hypocrite, un menteur, un égoïste, un monstre. Chérie, pourquoi tous ces grands mots? Pour toi, égoïste, ma chère. Quand on a un monde dans la vie, c'est pour mettre à l'aise. Dès que tu as dit bien, nous ne sommes pas ensemble déjà. Il compte ça très bien. Quelque chose que je veux dire, que je veux mal prendre.
Je connais, mais il faut faire ça. Ah bon? Leïla, on pas réfléchir non comme ça. Comme si, pourquoi tout le temps ça avec un garçon et puis pour un rince qu'on soit quitté? Bon, et ça m'a dit qu'à cela même. Ça que pour vous, c'est pas un disménage que vous ne connaissez. Ou bien dit, je ne connais pas. La différence est là, ma chère. Ah. Donc, même ce problème, je ne connais pas. Okay? Ok. En tout cas, moi, si je suis Sabine, je prends Bertrand pour de bon. Malheureusement, Bertrand, pas besoin de Sabine. C'est un lapin. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va venir même. Pas quelqu'un, je bien. Je sais, chérie. Je sais. Que pour toi, passer la meilleure nuit de ta vie ce soir. Wow, c'est comme ça. C'est son père, les Bertrand. Aujourd'hui, celui qui fait l'actualité, c'est Samuel. Moya. Peux-tu me rendre un service, ma très chère cousine? Quoi? L'école va organiser une sortie, bah oui? Bien sûr. Bon. Je vais sortir avec Samuel pour un week-end. Je vais dire à maman, voilà vous. Qui ça? Non, jamais. Baba est menti pour vous, chérie. Besoin de la force. Fais sauver. Mais moi-même, je ne suis pas la donne. Oh, oui, bah, s'il te plaît. Dame, mais. Dame, sorti avec elle. Ouais. Je ne suis pas capable de dire. Pourquoi elle nous existe? Pour pas comprendre. Je suis sorti avec elle. Dans l'hôtel. Gâtel. Ok, on a fait tout ça, Dio. Moi, juste faire pour contour. Ok? Moi, je pas la donne. T'as les mamies à dire que c'est moi qui t'aime, non, c'est moi qui a le gâteau. Ah, mon Dieu. Ils sont Ah, bon, je vais pas vous dire. Leïla, la réponse c'est non. Ok? Ah, bon, il y a des films. Ok? Moira, je ne vais pas rappeler que je n'ai pas autorisation de venir dans la chambre. Allez, allons-y, il y a avec Dral dans le salon. Bon, fais vite. Ça c'est devoir, ça c'est destiné.
Pas jamais gain l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Janet n'est toujours pas revenue. Depuis tout ce temps? Mais c'est comme ça qu'elle est, cette Janet. Et rassure-toi, Tati. Elle va te conter toute une histoire pour justifier son retour. C'est franchement. Mais voici, madame. Qu'est-ce que tu as, Janet? Madame, comment tu as fait dans le marché? Donc, quand on a fait le marché, tu as déplacé le gouvernement, c'est ça? Mademoiselle Céline, c'est pas faute, moi non. Tu es plein de monde dans le marché. Et plus, blocus met sur lui. Mon bar avance, mon bar avance pas. C'est mieux que vous. Vous êtes machine de Janet. Darlene, pose une question, Janet. Eh bien, mes amis, je ne vais pas quitter la machine à tuer. Soti. Soti. Merci beaucoup, Janet. Tati, tu vas directement à ton bureau. Oui, pourquoi? Tu vas te demander de me déposer au studio. Et comment tu vas faire pour rentrer? Tu appelles les papiers, ou peut-être Stacy, ou bien son ami Regina. Dans ce cas, il faut faire vite, je suis pressée. D'accord. Je m'en vais, Kitati. Au revoir. Moïva, pas le traîner dans la rue. Quand l'école est finie, je te suis la carrière. Justement, Tati, je suis venue pour ça que je ne vais pas prendre le bonheur pour étudier ce chemin-là. Moïga, au sort, c'est mon problème tout beau, pas vrai? Combien de fois pour me parler pour le même bagaille? Je ne vais pas dire que ça ne va pas dans les affaires typiques pour le traîner sur ce chemin-là. Tati, je ne comprends pas que tu ne vas pas étudier ce chemin-là. Ok. Mais malgré que tu connais étudier dans la blanc, pas bon pour moi, même proposer que pour me mettre en inventaire dans la chambre ou refuser. Mais qui soit venu faire au juste? On va aller connaître Tati. Bonsoir, chérie. Encore c'est toi. Bonsoir, mon gars. Bonsoir, ok, Marco. Bye, Tati. À bientôt, ok, Marco. Tu vas aller sortir, ma chérie? Oui, je dois me rendre à la banque pour mes bijoux. Oh, Hélène, dis-moi, comment vas-tu, ma chérie? Ça va, et toi? Oh, tu me manques. Hélène, je ne peux pas vivre sans toi, j'ai... Tu l'as si fort que je me demande est-ce que notre séparation est vraiment une bonne chose? Bien sûr que non, mon amour. La preuve, c'est que toi et moi, nous souffrons beaucoup. Mais parallèlement, c'était la seule façon, Hélène, de te rapprocher des enfants, j'ai... Je t'aime tellement. Je vais retourner au CMT Blue en clé. Je vais déposer dans l'inner studio, ok? Ok, on va faire prendre. Je vais essayer de me passer prendre tout. Ok. Je suis belle, je merci. Regardez, à qui l'on pense au bureau? Ah, je ne sais pas encore. J'ai un rendez-vous à 9h et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quelque chose? Oui, je vais passer pour le test. Enceinte? Papa? D'abord pour vous. Tu as une petite cabrite? C'est vrai, oui, je passe un test sida. Régulièrement, je fais toujours tous les 3 mois. Je me bats comme ça, chaque jour, je me lève, je me fais le bal. C'est une marche. On n'a pas besoin de client spécial pour le test sida. N'importe cette 200 appels pour vous. En tout cas, l'origine, je vais me connaître. Ok, madame. D'accord. Tu as me poser ces questions. Au sujet de qui ça? Je suis toujours venu dans le bureau. Il s'est dit qu'il a fait le mal. Il est entré, donc il est arrivé. Il est passé la rallye dans l'après-midi, je n'ai pas. Gros hémorragie. Donc, en tant que gynécologue, je vais faire un check-up pour lui. Allez, ok. Ok. D'accord. À plus tard. Ok, bonne journée. Bye, à toi.
Hélène, je m'étais séparée de toi, c'est tout juste parce que tu me l'avais demandé. Mais tu sais, tu es la femme la plus importante de ma vie. Oh, je t'aime tellement. J'ai déjà donné la preuve de mon grand amour pour toi. Oui, oui, oui. Quand tu devais choisir entre ta femme et moi, alors que tu venais juste de te marier. Mais tandis que toi, beauté, tu filais le parfait amour avec Gérald. Oui, mais on reconnaît que ça ne m'avait pas empêché de sortir avec toi parce que je t'aimais déjà. Et tu te rappelles, après la mort de Gérald, j'ai voulu refaire ma vie avec toi. Mais toi, tu ne voulais pas. Hélène, de un, tu étais enceinte. Et de deux, ce serait un choc pour tes enfants. Regarde que jusqu'à présent, ils n'acceptent pas notre relation. Que de bouleversement, chérie. Je refuse de te perdre. T'en fais pas, mon amour. Nous allons ensemble trouver une solution, chérie. Entrez. Monsieur Zéron, monsieur Van Comeca, fermez la porte. Oh, merci Claudette. Deux sucres. Ça, chérie. Moko, parlons de solution. On pourrait aller ce week-end dans ta maison à Jacmel. Très bonne idée, chérie. Je n'osais pas te le proposer. Tu penses qu'on devait amener Gérard avec nous? Non, Claudette peut très bien prendre soin de lui pendant mon absence. On part rien que nous deux? Yes! Oh, c'est fou ce que je vais t'aimer, mon amour! Bonsoir! Bonsoir! Le docteur est là? Je vous parle, Cassandra. Vous dites? Je ne vous comprends pas, Cassandra. Ben, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, madame? Je vous demande si le docteur est là. J'étais là quand vous étiez passé. Vous ne m'avez rien demandé. Donc, je ne comprends pas. Je ne suis pas obligée de vous demander quoi que ce soit. Vous êtes une secrétaire, non? Ah bon? Je suis bien contente que vous le sachiez. Mais vous devrez aussi savoir que quand vous rentrez dans un bureau, vous vous adressez d'abord à la secrétaire qui vous donnera les renseignements nécessaires. Ensuite, vous pénétrez le bureau. Pas comme vous le faites, madame. Demoiselle, je vous rappelle qu'ici, c'est le bureau de mon mari. Je rentre quand je veux et comme je veux. Vous faites erreur, madame. Que ce soit le bureau de votre mari, de votre frère, de votre qui que ce soit, vous devriez vous adresser à la secrétaire d'abord. Je suis à la salle à manger. Ah, comment vas-tu? Bonjour. C'est la cuisine? Ma soeur de matin, je m'appelle Camille. Mettez-vous. Vous n'y avez pas encore une belle, mais pas ça, pas dit ça. Faut d'amour au moins. T'as dedans? Pas dit que c'est de parlé là. Comment vas-tu? Ça va. Comment vas-tu, Moira? Camille? Qu'est-ce que moi vous dire? Que vous êtes très mal placé pour me faire la leçon. Vous faire la leçon? Vous n'imaginez pas? J'ai du boulot moi. Je ne perds pas mon temps de des choses inutiles. Vous savez... Je suis une secrétaire compétente qui connaît son droit et ses devoirs.
incroyable. Mais vrai. Allô? Bonjour. Ici la secrétaire de gouvernement. Félicitations. Si vous avez réussi à avoir gain de cause de ce client, ça prouve que vous maîtrisez bien ce que vous faites. Merci. Bon, pour moi, il n'existe pas vraiment de client difficile, madame Olivier. Il suffit seulement d'avoir de patience, de calme et de courtoisie. Vous avez peut-être raison. Bon. Jetez un coup d'œil sur ce dossier. J'aimerais avoir un résultat plus tard. S'il vous manque quelques données, voyez ça avec Jenny. Très bien, madame Olivier. Allô? Oui, Kitli. Elle peut rentrer. Bonsoir. Bonsoir, oui. Amboise, je te présente Madame Moulouis, c'est ma maman. C'est le comptable. Bien entendu, Amboise. Santé. Ravie de faire votre connaissance, madame. Tout le plaisir est pour moi. Mets-toi de moi. Finalement, tu as laissé la maison. Bien sûr. J'étais dans le quartier, je ne sais pas si tu as dit un petit bonjour. Amboise. Oui. On se prend plus tard, ok? D'accord. D'accord. On va Mamie, tu connais tous les employés d'ici, n'est-ce pas? Pas tous. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue ici. Ok. Je vais te faire visiter, viens. D'accord. Mais tu as laissé ma fille seule et tu es deux. Bon. Ça c'est de voir, ça c'est destiné. Pas jamais bien l'idée pour t'abandonner. Ça c'est de voir, ça c'est destiné. Amis, pas vrai? Oui. Mais c'est pas l'impression ça qu'une bombe. Moins de coups de étranger, ça qui passe. Pas gagné, non? Comment nous pas gagné? Même si on est aveugle pour ça, oui, Karim. Où est l'autre bois? Premièrement, moi, il y a pas gâché un mot dans la bouche. Je fais un remarque de deux. À chaque fois qu'on entre dans la conversation, là, il quitte Paul là pour. Il y a raison, pas tout. Avant, moi, il y a quitté ses marques, il y a un magasin qui était passé. C'est ça qui fait comme ça, je dis. Avoir crié, c'est grave. Je vais t'expliquer. Il y a des problèmes, Kai, ok? Je vais chercher le côté pour me dérouter. Je vais juste prendre tes plis et pour faire oublier, Maxime. Mais pareil, maman. Prenez les gens, moi-même, je vais bon côté pour aider, moi, je vais craser la relation. Mesdames, si tu es chargé, nous sommes là. Pour qui ça ne va pas tenir la porte de non! Je veux la relation à craser depuis ici. Ou d'accord ou pas d'accord? Ok. Très bien. Que mes salamons toujours, les travaux à la fin réglé, ma boy ça. Salut Kaye. Bonsoir Kaye. Bye Karine. Je te prends au mot. Avec ces quatre. Non, Christelle, va calme, quitte Karine. Qui fait? C'est pour petit comme ça, amitié nous. Et elle finit, sauf fait. Bon, moi, il va pour expliquer ça. Ça me va l'expliquer là, pas tout. Les jeunes comme là, non, même moi, me dire. Mais ou pas dire, moi, tu es motivé en comme là? Oui, mais moi, il va pas te connaître. Et puis tout, pour que j'aime quand moi, il va. C'est sûr qu'il va jamais faire confiance encore, non? Pas qu'on lui dit ça, on sait jamais. D'ailleurs, c'est déjà un grand pas où font un héros ou reconnaître lui. Ok? M'a fait donner ça. Merci, pas tout le temps. Merci, je t'en prie.
pas oublier nous devons sortir samedi soir. Oui bébé programme. En même temps, tu pas oublier que nous devons sortir avec mon Olga. Oh, t'as oublié ça. Tellement pas aimer sortir avec grand monde. Et c'est bon, et ma mamie, pas quitter le temps d'eau. Oui mamie. J'arrive. Bien merci, vous le faites. Cassandra. Oui, docteur. Tu n'as rien moi? Pas vraiment. Sauf madame Laguerre qui a appelé. Elle voulait savoir si nous avons les résultats. Effectivement, on devait lui remettre ses résultats aujourd'hui. Ok. Quand le message sera là, demande-lui d'aller le chercher. Ensuite, appelle madame Laguerre, donne-lui rendez-vous pour demain. Très bien, docteur. Après, viens me voir, mon bureau. Me voici de tête. Ah, c'est toi. Ça va bien. Qu'est-ce qui se passe avec Stacy? Elle vous a dit quelque chose? Je vais tout raconter. Et j'aimerais avoir ta version des faits. Je ne sais pas ce qu'elle vous a raconté, mais je dois vous dire, docteur, que ceci est très inventif. Oui, calme-toi, Cassandra. Évite d'employer le grand. Docteur Molly. Cassandra. Tu es ma secrétaire. Stacy est ma copine. J'aimerais que tu la respectes. Elle aussi me doit du respect, docteur. Elle doit savoir comment ça laisse les gens. Ok, je te comprends. Mais toi aussi, tu dois savoir comment lui parler. Docteur Molly. Cassandra. Je voudrais que tu me promettes que ça ne se reproduira plus. Je peux très bien vous le promettre, docteur. Moi, que Stacy, elle, me respecte. Elle n'a pas le droit de me traiter n'importe comment. Elle a la mauvaise habitude de me sous-estimer. Ok, je te comprends. Je vais essayer d'arranger tout ça. Mais s'il te plaît, de ton côté, fais un effort. D'accord. Autre chose. Aujourd'hui, je laisse à 3h30. Je dois me rendre à l'université. Ok, pas de problème. Bonne nouvelle pour toi. On va se parler alors. J'ai payé les impôts, les assurances et je suis passé au labo. Tu as vu le docteur? Une nouvelle ni bonne ni mauvaise maintenant. Concernant l'école à jeux d'aligne, la directrice n'accepte pas de chèque, à moins que ce soit de direction. Mais qui bagaille ça? Bon, ok, je vais donner l'argent à David. C'est fait, fille docteur. J'ai payé. Et je te remercie. Oh, merci chérie. Je suis là. Je suis là. Quelle idée, mon chou? Pourquoi toutes ces façons pour moi? Et le passeport de l'année? J'avais laissé la meilleure pour la fin. J'ai été récupérer le passeport à l'agence. Donc, Darlene pourra voyager pour la Noël comme convenu. Alors, il va être content alors. Mais c'est quoi la mauvaise nouvelle? L'une de tes patientes est morte. Laquelle? Celle qui avait le VIH-Sida. Absolument. Moi, c'est une meilleure pour lui, mon frère. En plus, c'était le plus de médicament. Oui, c'est l'autre bon. C'est baptisé, non, Benjamin. Qui dit ça? Le pire, c'est que vous pouvez même lever moi, c'est un café. Entendez, mademoiselle, c'est pas de sida que tu as gagné. C'est un monde Jérémy qui habite sous quartier, tu as un problème avec elle qui pour une médecine. Ah, ma chère, où est médecin on est attaché à moi? Comme si je venais nous avec tout bon. Greg, le mal existe. Faut pas oublier ça. Amdou. Tu as une dame qui a un petit bébé qui pas de cadeau. On est bien, il y a plusieurs facteurs qui ont fait ça. D'abord, lui-même, au lieu que le médecin soit un docteur,
il décide de mener le carreau. Trois jours après, c'est le bébé à mourir. C'est pas de ça de gagner. Greg, depuis petit moment, nous entendons que nous toujours dit que nous Jérémy rien mais bon médecin du nom. Affaire parole dans lui. Parole. Parle j'ai quoi pour Robert pour aller prendre médecin du nom pour frapper tes frappes dans la machine. Ça va, mais rien qui tout. Ou qu'on aime, je vais pas faire vrai. Ok. Autre chose. Après tout ce travail, je vais répéter. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'as rappelé que je te ramasse. Oh, ok, le bord de la plage. Ça te donne? Ok. Madame, tu vas servir. Ah, merci, chérie. Dans la chambre là, lumière allumée, télévision ouverte, tout s'entendait à bill pour Hélène Duplan payé. Ronel! Elisabeth. Ça va, Pascal? Ça va? Oui, merci. Elisabeth. Oui. On va faire un petit peu là-bas? Pas de problème. On va parler de. De Esther. Attendez. Ronel, où est-elle toute lumière? Ronel, est-ce qu'on est toute lumière, madame? Oui, madame. Ok. Moïra! Moïra, qui ça me saute là? Qui ça me saute là? Vous faites un coup pas comprendre de qui ça m'a parlé. Même pas comprendre de qui ça m'a parlé, Tati. Ça me dit pour faire lumière ici là déjà. Tati, c'est les là, t'es qui t'es venu à l'émission de la chambre. Ouais, c'est le pire gros problème que j'ai avec vous. Ou pas, j'en fais un rien. Tout le bagage, c'est les là. Comme si vous m'en sont sept ou yé. Franchement, Elisabeth, si on te dit que c'est Esther, cousine moi, qui t'a devenu comme ça, franchement, je ne sais pas vrai. T'as mangé quoi, hein? Merci. Merci. Bon. Il est 9h30. Esther va rentrer. Vous allez côté de Elisabeth. Pascal, calmez-vous non. Esther va un bébé. S'il va aller, c'est qu'elle va gagner. Elle tellement nous fait habituer à plaisir, c'est ma vie. Pourquoi vous n'allez pas même rendre nous compte si l'état? Pas de bagaille comme ça. Yon jeune fille de gain, yon le pour sortir, yon le pour rentrer. Bon. C'est parce que mon jeune garçon m'a vu pour comme que Esther comprenne pas de me faire ça le vle. M'pas te lever comme ça. Et m'pas prendre mes personnes. De toute façon, cool vini fait m'gonne. Parce que cette fois-ci, faut m'parler avec elle sérieusement. Ok? Ok. Bonne nuit. Bonne nuit, Elisabeth. Qu'est-ce que tu as Esther? Pourquoi est-ce qu'il est lié? Qu'il est lié? 10h25, ça gagne. C'est pas ça gagne, non? Faut connaître ce qu'il y a. Faut faire respect. Ça va pour là, Elisabeth. Comment t'es pardonné? Tout fatigué, fatigué. Franchement, moi, je regrette infiniment. Lors de Zimbini, c'est que je suis ou quand tu es sorti? Ou grand monde? Ou est-ce que tu fais là? C'est la dernière fois que je fais parce que je vais regretter ça pour vous. Pardon. Ou est-ce que gars, le béton dans l'état, ça peut toujours pas aller de vous. Tu dois te battre, mes combats. Tu ne dois jamais te laisser piétiner. Oh, oh, oh. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Pas jamais l'idée. Ça c'est destiné. Mais pas quitter mon, mais fierté ou en papier. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Dis-moi si vous parlez quoi. Gardez nos cœurs ou ah ouais. Dis-moi.